And suddenly I saw something extraordinary, an expression of happiness, of beauty, an expression which I will never forget. And at the same time, the body was absolutely without a movement. Then he looked at me and told me, I will go out, I go away now. Stay there and see me. So I went, I was there, and I saw the way he died by becoming so strong, as if he had in him a life, a body, another body, which was not dying. One could see that so well. It was so strong. And suddenly he died. And I had the feeling that something was alive near me anyhow. And he turned to me and he said, soon I will go where you cannot follow me. Madame Uspensky said to him, and where will you go, Georgi Ivanich? And he said, oh, Tibet maybe. And then, October, when he was due to come back to New York, of course he didn't. It was obvious that he was prepared to take his leave. I think it was about 2 weeks before he died. He drove with a group of men to the Russian church, pulled up in front of it and stopped and sat there for a considerable period of time, and without further comment, drove on. On sentait bien que M. Gurdjieff préparait son départ. Il n'avait pas peur de se comporter d'une manière qui parfois était apparemment incompatible avec ce que, par ailleurs, il nous transmettait de sa présence même. Monsieur Gurdjieff, c'était vraiment un homme plus qu'extraordinaire. C'était vraiment quelqu'un qu'on ne rencontre jamais, qui a une qualité, une intelligence, plus que ça, même une connaissance. D'où il l'a reçue, c'est autre chose, mais une connaissance. Et il s'en servait, et il travaillait. Alors c'est ça qui m'a touchée. Je sentais à côté de lui, je le voyais agir, je voyais la manière dont il essayait d'être, pas comme les autres. What stands out in my mind is the most important thing I learned from Mr. Gurdjieff was in the Turkish bath. You know, he had a custom of going regularly to the Turkish bath, accompanied by several of the older men. And to this day, I remember the picture of Mr. Gurdjieff in the semi-steam-like atmosphere walking, and it was from his back, from the way he walked, that I learned something which is perhaps is not possible to explain, something of the true nature of an enlightened person, if you wish. Oui, je voudrais traduire l'impression que j'ai ressentie auprès de lui, l'impression qui émanait afin de lui. L'impression d'une permanence,
J'y étais toujours tranquille, contenu, quelles que soient les circonstances, qu'elles soient dramatiques, parce que ça arrivait souvent, qu'il aille au marché, qu'il soit près de ses élèves, qu'il soit à table, avec beaucoup d'invités. C'était toujours cette même densité de présence, comme s'il y avait un regard à la fois qui se portait sur lui et un regard ouvert sans jugement sur le monde. Et c'était contagieux. Au contact de cette tranquillité, on avait le sentiment de voir les choses avec un recul, tout à coup, une tranquillité. Oui. Pour les enfants, par exemple, chacun en a gardé une trace indélébile. Et c'était ça le sens de l'éducation de Gurdjieff, de donner à des enfants le sens d'une vie extrêmement sévère, je dirais, réduite à l'essentiel, à la restriction. Et d'autre part, le sens de la plénitude, le sentiment d'avoir été comblé, d'avoir eu même au-delà de ce qu'on espérait. D'avoir ces deux aspects toujours, pour ne pas faire, disait-il, des êtres naïfs. Soit en perpétuel état de revendication, soit en perpétuel état de rêverie sans connaître réellement la réalité de la vie, la dureté. Monsieur Gurdjieff vivait dans la maison de mon père. Il recevait des gens qui venaient lui parler de choses très sérieuse, je voyais les figures très sérieuses. Mais moi, ça m'était égal, je restais à côté de lui. Puis quelquefois, je prenais sa main, je restais comme ça. Et il me laissait faire. Et je sentais dans cet homme un cœur, quelque chose de très grand et quelque chose de très chaud qui émanait de lui. Il regardait toujours tout, il avait une attention extraordinaire, il voyait tout. Mais il ne disait rien. Il était un maître qui vous faisait sentir, vous faisait voir comme vous n'étiez rien et en même temps nous montrait la possibilité de devenir quelque chose. La conception habituelle du maître, c'est un être humain qui poursuit une quête qu'il a commencée dès son enfance, dès sa petite enfance, et qu'il poursuivra jusqu'à la fin. Il se servait de tous les moyens pour ça. Mais il continuait à travailler, c'est évident qu'il travaillait sur lui-même. Il se demandait chaque fois des choses plus difficiles, devant notre incompréhension, devant les obstacles qui venaient de toutes parts, et la guerre et tout cela, il prenait en charge, il avait sa part. C'était étonnant de voir à quel point il était libre de cette ordinaire conception du maître. Cette dimension de M. Gurdjieff, où on sentait vraiment des forces venant beaucoup plus haut, c'est comme si à côté de soi, en face de soi, il y avait quelque chose qui tombait droit dans notre monde. J'ai senti une dimension géante, comme quelqu'un relié avec quelque chose d'immense et une solitude incommensurable. Being with him was always a challenge because there was something completely unexpected. Every time you were with him, it was a question of being with something that was not known. Mm-hmm. You needed to decipher the challenge. One very painful challenge that he gave me was the last time that he was here, he told me that it was very necessary for me to come to work very hard, to come and work with him very hard for a few months.
but I was to come alone without my children. So I didn't sleep that night. And I went the next day and I got tickets for myself and my two children. And then I went to the cafe and told Mr. Kajif that I was coming with my two children. And he said, bravo. The most important thing is to try to awaken that in you which is now asleep. And this was Kajif's great, this was why he could be called a master. And it was based on love in a way. Attention is love. True attention is love. Présence à soi-même et présence à la vie. Les deux se correspondent, les deux sont complémentaires l'un de l'autre. Le grand maître reste la vie. C'est d'elle que je peux tout apprendre. C'est d'elle que je peux tout comprendre. Et pour cela, il faut que je fasse l'expérience aussi à fond qu'il est possible, aussi pleinement qu'il est possible. On percevait un regard, il y avait quelque chose qui était très sûr, mais il se départissait pas d'une conscience de ce qui était là, ce qu'il faisait. Il y avait toujours un espace entre l'action et ce qu'il était, et en même temps c'était plus que jamais réuni. Pour moi, ça reste l'évocation d'un homme incroyablement silencieux. Un silence ouvert, une immensité, une manière de marcher dans la rue. Il y avait quelque chose qui était à la fois de la terre et du ciel dans sa présence, dans sa manière de se déplacer. Et tout ça dans une impression de silence quelque part qui fait que très souvent, on avait le respect de cela et il y avait quelque chose de donné dans un rayonnement de présence qui remplissait, on ne savait pas très bien comment ça se passait, mais ça vous rendait silencieux à votre tour. Atmosphere of the way he manifested, the way he lived, and what he evoked in people was the work. It wasn't something to be learned in a linear way over barriers to an accomplishment. It was a kind of an electronic experience with him. In his presence, one was exposed to his world. Teaching was carried on, was quite unique. Luncheons and dinners up until 2-3 in the morning, asking questions, being subjected to his rather sometimes biting remarks. But there was a ferment which one felt. Deux vies en même temps, les choses prenaient du relief, tu vivais et plus intensément. Et tu étais disponible pour tellement plus de choses. Le premier jour que j'ai vu M. Gurdjieff, sans qu'il me le dise, il m'a demandé de faire quelque chose le jour même. J'ai senti, sans nul doute, que si je ne faisais pas cette chose, je ne pourrais jamais reparaître chez lui, à sa table. C'est pas facile, mais je mets ça en mots maintenant, puis je dois l'avoir senti dans mon inconscient.
Et j'ai fait ce que, qui était demandé. Et le lendemain, je suis revenu, il n'a rien dit. Et j'ai su qu'on savait tous les deux quelque chose s'était passé. Alors ça, ça met un tampon sur une vie, là. Ça met une empreinte. C'est inouï de savoir le premier jour qu'on est en danger à ce point. He's talking about how countries were characterized by animals, that the English were sheep, that the Russians were turkeys, they were a cross between crows and peacocks. And somebody who really knew better said, and what were the Italians? And he said, ah, idiot. Always you spoil things. Go. Go away. Don't, you have no right to be here. And this chap got up and went away. After maybe 10 or 15 minutes, he looked up with sort of surprise and said, we're talking machine. Where he? Go. Find talking machine. So somebody went, found him, and back he came. And it was not unusual for people to be sent away in this kind of manner, but sometimes they'd slip back in, sometimes somebody would go for him, but there was something so sort of wonderfully jocular when he said, we're talking machine. C'était une véritable menace. Une menace pour sa tranquillité, une menace pour la petite idée qu'on se fait de soi-même, une menace pour le répertoire confortable dans lequel on vit en général. Au moment où cette menace se présentait, c'est comme un fossé à franchir, un seuil. On était aidé à le franchir, par sa présence même. C'était alors assorti, cette menace, immédiatement d'un bien-être, d'avoir déposé en quelque sorte son masque, d'avoir laissé tomber le poids de ses images. Et on se sentait soudain libre. Pour tous ceux qui l'ont approché, cette rencontre a été un choc. Trois mots pour le dire. D'être dépouillé, d'avoir un sentiment nouveau de responsabilité, et d'être petit. Je dirais petit, non pas par rapport à Gurdjieff, mais petit en face de la grandeur de la condition humaine, si vous voulez, qui était encore inexplorée, à laquelle on devenait si sensible tout à coup. Et dépouillé, parce que je le disais tout à l'heure, il y a tout le masque tombait, et avec un nouveau sentiment de responsabilité, parce qu'on avait comme le besoin de répondre tout à coup à cette vision nouvelle de l'homme. La vraie question, c'est qui suis-je ? Il y a d'autres formes de création qui ne sont pas destinées à s'interroger. Elles se contentent d'être. Mais l'homme ne se contente pas d'être, il s'interroge sur le sens de son être. This man's being, this man's isness was unique. His feeling corresponded to his thought. His thought corresponded to his feeling. His body gave evidence of his being. Thank you.
Let's come back to what I call the luminous, stainless, pure element in each human being. Not when I speak, not when we speak. This is a This is it. We can know something about it, but not too much. J'accepte. J'accepte cette nullité. Cette nullité à être. Je l'accepte. Et à ce moment-là, quelque chose se transforme. Et on peut sentir qu'il y a toute une matière impalpable qui devient à ce moment-là, qui se tient, qui se matérialise en quelque sorte. Se retirer pour être. On the path to awakening, in a true sense, there was always, as I repeat continually, there was always the necessity to have this acute attention to awaken to oneself, to remember oneself. Yes, because who am I is not a formal question. It's an unanswerable question. Yeah, it's a movement, isn't it? A movement of entering, of opening, of towards opening. Towards an opening, yes. towards the mystery of why we're here, and who are we really? L'idée seule ne suffit pas. Il y a un certain besoin qui est là, mais un besoin très fort. Je sens que ma manière d'être, ma manière de vivre, ce que je suis avec les gens, tout, ce n'est pas ce que je voudrais. Est-ce qu'il y a une force qui apparaît sur la terre, qui passe et qui a besoin d'agir sur la terre? Est-ce que cette force, nous pouvons la sentir et essayer de nous y ouvrir vraiment et de comprendre comment la servir? Je suis là, mais pourquoi? Je ne sais pas comment je suis là, pourquoi je suis là, ce que j'ai à faire, ce que j'ai à obtenir. Il faut que je voie mon état d'être, la manière dont je suis, ce que j'attends, ce que j'espère, à quoi je fais confiance intérieurement, ce que j'essaye de servir.
d'une manière vraie, pas seulement une petite idée. Autrement, ça ne se fera pas. Sous un regard, et nous étions sous son regard à elle. Mais aussi sous le regard auquel elle s'était ouverte. Bien entendu, dans ce regard, il y avait M. Gurdjieff. Mais il y avait bien plus encore. Certainement, c'est ce qui a permis à bon nombre d'entre nous de persister dans les moments où c'était très très difficile, après la mort de M. Gurdjieff. On était, nous allions en Suisse ensemble. Madame Sussman voulait que je travaille avec elle à la traduction de Belle Butte. Mais ça a été un gros travail. Remember when Mr. Gurdjieff played, he would play for a long time, and ask how do you feel, what do you think, and so on. And play his own way. It was always so touching, so extraordinary. Because he had a way to, he was quick and suddenly he was open, so you could not be quick. It was very slow because we were open and something very strong appeared. And then again. Je me souviens de sa présence très forte près du piano. Il commençait à dicter un certain nombre de positions avec un rythme, etc. Puis il regardait comme un sculpteur. À un moment donné, il reprenait la pièce, il la complétait, il la modelait, il l'affinait. C'était une perception de travail vivant. C'était vraiment l'impression d'assister à une création. Tout le temps, essayer de vivre cet état de vivre. Les mouvements nous aident à percevoir qu'il peut y avoir une sorte d'accord entre nos différentes parties, comme allant vers une harmonie. Dans la vie, alors on se voit pas du tout comme cela, et en même temps, on sent que s'il y a là une vérité, elle doit pouvoir être dans une condition et dans une autre, mais qu'il y a à étudier, à chercher. Yeah,
tête en haut. La tête en haut, pas les yeux. Ensemble. Solide les mains, s'il vous plaît. Sentez bien ce poids du corps, c'est ça qui est important. Comment vous êtes là? You see, I need to not to get up. How you are? You will see how you will get up. Huh? Why not? If I need to get up and I need to have an energy in myself which will remain there, I have to get up quite differently. This energy must be there and I get up. But my get up and my way to walk, my way to speak, everything, does not take me. It does not take this energy. On the contrary. Otherwise, I will speak like that. I'm not here in my body. I let my body do it. As he knows, according to his habits. Attention, nous allons être en mouvement. Essayez d'abord de bien sentir que vous êtes ouverte à une énergie qui vient d'un peu plus haut que votre tête et qui passe en vous. C'est l'énergie la plus importante qui permet une conscience qu'autrement on ne conserve pas. Vous sentez que vous avez besoin de la garder en vous et en même temps vous allez être en mouvement. Il faut que les deux choses soient absolument ensemble. Alors essayez. Un, deux, comme si c'était une même personne, une seule personne. Il faut que je sente le rythme, pas les personnes, mais le rythme. Quand vous passez d'un pied sur l'autre, et votre corps, il y a une énergie qui est là. C'est cette énergie qui est plus importante que tout. Vous sentez que vous n'allez pas la perdre. Elle ne va pas diminuer. Elle reste la même. Et en même temps, cette énergie est plus forte que votre mouvement. Et en même temps, vous êtes en mouvement. Quatre pas en arrière. Un, deux, trois. Quatre sur place. Quatre en avant. Un, deux, sur place. Quatre en arrière, sur place. Quatre en avant, sur place. Quatre en arrière. On n'accepte pas de voir que la pensée et le corps ne sont pas reliés. On ne l'accepte pas. La pensée tourne, elle va de son côté, et le corps, ça lui est égal. Il attend que quelque chose lui soit demandé. La même force dans les, dans le rythme, dans le bras, dans la tête. Et pour qu'une relation apparaisse, il faut qu'il y ait un mouvement l'un vers l'autre, qui changent leur mouvement automatique. Il y a une attention très intense, continuellement. La liberté vient que je ne suis pas prise, pas, ni par ma pensée, ni par mon corps, ni par mon sentiment. Je ne suis pas prise par un mouvement automatique qui se produit de lui-même en moi, comme d'habitude. Vite, reprenez. Non. Mais aussi toutes les énergies en moi sont reliés, ça produit une énergie nouvelle, une énergie qui a une autre force, une autre qualité et une conscience que l'habitude n'en a pas.
perdez toujours. Stop! Reprenez. Cette énergie est en nous, elle est chez tout le monde. Pour s'en servir, il faut un travail spécial. Ah, c'est moins bien. On ne sent pas partout la même force. Assez. J'ai fait les mouvements assez longtemps, je crois, et ça reste un mystère. T'es complètement dégagé de toute considération, par exemple. Avec l'intellect, c'est une autre surprise aussi. Approcher ce qui ne peut pas être approché, là, une pensée. Je pense toujours à ce mot de Gurdjieff, « Dances are for the mind ». How a movement is becoming conscious. For example, I will do a movement with my arm and I will do it and I will do it. And at a point I will find a, so to speak, the movement within the movement. The movement within the form. And suddenly I need much less force. Then a moment later it's lost. Again I'm doing. And it all, if I can find it again. Ensemble ici pour la même chose. J'espère que ces choses apparaîtront. Je me donne ma parole que je ferai tout pour ça. Et ces choses, elles nous unissent. Nous sommes ensemble pour ça. Les dernières paroles, il y a qui dormait. Tout, l'impossible même, pour que ce que j'ai apporté puisse agir. Alors nous sommes tous responsables ensemble. Nous sommes en train d'essayer. Devant un double mouvement, le mouvement d'un automatisme qui est toujours là et le mouvement d'une attention très consciente qui est difficile à obtenir de manière suffisante. Reprise par mon automatisme, si je n'ai pas obtenu le niveau d'attention consciente nécessaire pour pouvoir durer. Et on remarque cela dans tous les mouvements qu'on entreprend. C'est très difficile de garder ce niveau où l'attention reste consciente avec la même force. Quand le mouvement est compris par le dedans, chez tout le monde, il se passe la même chose. Et il n'y a que l'ensemble qui permet ça.
une œuvre considérable et pour ceux qui ont vécu ce travail avec Madame de Salzmann, sans elle, tout ça serait perdu, n'aurait pas été perçu de la manière, avec cette connaissance de toute une gamme de mouvements de l'énergie. Depuis l'enfance, nous avons des habitudes qui se sont développées en nous. Mais ces habitudes sont un automatisme. La même force dans le mouvement des pieds et des bras. Nous n'avons aucune liberté. Nous ne pouvons pas avoir de liberté puisque nous sommes pris par notre automatisme. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser d'une certaine manière. Nos habitudes du corps, c'est la même chose. Les sentiments, c'est la même chose. Les mouvements sont une partie d'un enseignement. Une partie seulement. L'enseignement, c'est une connaissance de l'homme, de ce qu'il est. Nous avons un corps, nous avons un esprit, c'est-à-dire une intelligence, un sentiment. Entre ce corps, cette intelligence et ce sentiment, il n'y a pas de relation véritable. Et la première chose est d'opérer une relation, ce qui produit une énergie nouvelle, une énergie d'un niveau supérieur, une pensée supérieure. Ce n'est pas la pensée avec tous les mots qui ont été appris, les idées qui ont été apprises. C'est une vision intelligente. C'est une éducation nouvelle. Ce n'est pas facile parce que ça va contre l'automatisme. On peut le faire pendant un certain temps. Ensuite, l'attention ne suffit plus, il faut se reposer. Il faut reprendre son automatisme. On le reprend. Et puis, il y a quelque chose qui ne supporte pas de renoncer à l'automatisme. Il faudrait avoir la force nécessaire. À mesure que la force grandit, on résiste davantage. L'automatisme n'est plus important, on n'en veut plus. On voit sa faiblesse, on voit le manque. Mais il faut qu'il y ait une force là qui permette de le voir. Alors c'est un développement, ça se développe peu à peu. C'est une force qui se développe peu à peu. Et la manière dont on parle, dont on écoute, dont on est ensemble, dont on reçoit des impressions, c'est très important. Le corps est là. Est-ce que le corps est la chose la plus importante? Est-ce que c'est le corps qui va vous permettre de devenir quelque chose? Ou bien c'est l'instrument. La pensée associative, est-ce que c'est la chose la plus importante? C'est la même chose. On en a besoin, mais en même temps, c'est un instrument. Elle a besoin de servir, tout à fait secondaire. Alors, il faut bien qu'il y ait une énergie qui apparaisse, une énergie qui vient d'un autre niveau. Et en même temps que cette énergie est là, il faut se servir des autres énergies pour pouvoir avoir une action dans la vie. Autrement, il n'y a pas d'action. C'est très, très, très important, cette chose-là. Et de voir continuellement, de bien voir, pour que ça devienne quelque chose de... Ça devienne des forces qui ont un rapport entre elles tout à fait défini. Qui crée une énergie nouvelle qui a sa vie propre. Et pour qu'elle ait sa vie propre, pour qu'elle se développe, ce n'est pas facile.